Salut les filles, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens donc avec un maquillage très flashy, vraiment intense, avec des couleurs violet, rose, bleu. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Moi, j'aime beaucoup. C'est, on va dire, un maquillage soirée, hein. Et puis, bah, si vous voulez suivre les explications, c'est juste après. Alors je commence en appliquant mon crayon blanc de chez Benaille en tant que base. Ça va permettre de bien faire ressortir mon rose et j'en mets sur toute ma paupière mobile, sous mon sourcil. Et ensuite j'estompe tout au doigt. Ensuite je vais utiliser ma palette Good Girl de chez Slick. Donc c'est une palette avec plein de roses différents, un petit peu d'oranger aussi, que j'adore, qui est super belle. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Et je vais appliquer pour commencer ce rose-là. Je le mets avec mon pinceau de chez MAC. Et je le pose dans le coin interne de ma paupière mobile. Jusqu'à peu près au milieu de ma paupière. Ensuite, je reprends un autre pinceau qui est comme ceci de chez MAC. Et je vais appliquer ce orange-ci, donc qui est irisé aussi, au milieu de ma paupière mobile. Et je le fonds avec mon rose. J'essuie un peu mon pinceau sur un coton. Et je vais appliquer ce rose-ci, qui est un rouge-orange, plusieurs teintes à moitié, et je le pose dans le coin externe de ma paupière mobile en le fondant avec l'orange que je viens d'appliquer. Il n'y a pas de super grosse différence, hein. De loin ça se voit pas trop entre l'orange et cette nouvelle couleur que j'applique. Voilà donc pour mon dégradé au niveau de ma paupière mobile. Ensuite, je vais prendre un pinceau blender comme celui-ci de chez MAC. Et je vais appliquer cette couleur-ci dessus. Et je vais en mettre sur toute ma paupière fixe. Je pars du coin externe et au niveau de la pliure de mon œil. Et je vais fondre cette couleur-là. Donc j'en ai pas mis énormément. Voilà, tout en haut de ma paupière fixe. Ensuite, je prends un petit pinceau comme ça en pointe et j'applique cette couleur-ci. Donc, c'est un rose très, 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 très pâle, on dirait presque un blanc. Et je vais en mettre sous mon sourcil ici. Le fond avec le rose que je viens de mettre. Donc voilà, il est irisé, hein. Et je vais en mettre aussi dans le coin interne à ce niveau-là. Et je vais le fondre un peu vers ma paupière fixe. Je le remonte en fait. Ensuite, je vais appliquer ma palette Bad Girl cette fois-ci. Et je vais mettre donc le bleu marine. C'est un bleu très très intense, qui est très joli, qui est mat. Je vais l'appliquer avec un pinceau comme celui-ci, plat, assez fin. Donc n'hésitez pas à tapoter un petit peu parce que c'est des fards qui sont un peu poudrés. Donc surtout les mats. Vous tapotez un peu, ça enlève de la matière, ça évite que ça tombe après. En dessous de votre œil. Et je vais tracer donc ma banane avec au niveau de la pliure de mon œil. C'est pour ça que j'ai choisi un pinceau assez fin. Je pars du coin externe. Voilà, je m'arrête à peu près ici. Je ferme ma banane avec au niveau du coin externe. Et je monte légèrement la couleur.
surtout au niveau de l'extérieur. Utiliser un pinceau comme celui-ci de chez ELF, voilà. C'est un petit pinceau blender qui est pas mal. Et je vais prendre cette couleur-ci qui est un prune, qui est mat aussi, pour fondre mon bleu marine sur ma paupière fixe. Voilà, je trace aussi toujours ma banane. Hein. Et je le fonds avec le rose qu'il y avait tout en dessous. Je reprends ma Good Girl et je vais utiliser ce rose-là. Donc c'est un rose très très flashy, c'est un rose fuchsia. J'en mets vraiment légèrement sur mon pinceau blender. Et je vais fondre au niveau de l'extrémité ce rose avec mon prune que je viens d'appliquer. Mais je le fais très légèrement parce qu'il est assez intense comme rose. Ensuite j'utilise un pinceau biseauté comme celui-ci de chez Zoeva. Je prends ce rouge-là qui est à l'extrémité et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Donc je pars du coin externe de mon ras de cils. Je le trace vers l'intérieur. Et je vais le continuer sous ce trait-là, hein, sous mon fard violet, bleu et rose. Et je trace un trait. Voilà, comme ceci. Je prends un col, donc c'est toujours le même. Et je vais en mettre dans ma muqueuse à l'intérieur de mon œil. Au niveau de mon ras de cils supérieur, je vais appliquer un eyeliner de chez NYX avec une très très grosse, un très très gros feutre en fait. C'est super simple à mettre. Et je pars du coin externe. Donc je fais dans la continuité du petit trait bleu qu'on a fait là. Et ensuite je fais mon ras de cils. Et je ne vais pas jusqu'au coin interne. Je m'arrête un peu avant. Et je termine mes yeux en appliquant un mascara. Donc c'est celui-ci. Donc voilà pour les yeux. Je termine mon teint avec un blush. Donc je vais utiliser celui-ci qui est très naturel de chez MAC. J'aime beaucoup. Qui est un peu plus orangé que rose. Et je vais en mettre donc avec mon pinceau Sigma synthétique. Et je vais finir mes lèvres en appliquant un rouge à lèvres de chez ELF, donc rouge à lèvres à 1 euro. Donc le voilà, il est un peu orangé, pas trop flashy, voilà, c'est cette teinte-là. Pas trop flashy. Et je vais en mettre donc sur toutes mes lèvres. Directement comme ça. Voilà pour le rouge à lèvres. Donc vous voyez, c'est très coloré comme maquillage. Donc là, j'ai terminé. J'espère que ça vous plaît quand même. Hein. Enfin, moi, j'adore ces couleurs-là. Après, on n'est pas obligé de mettre un rouge à lèvres super flashy avec. Bon, là, j'ai fait vraiment pétant dans tous les sens. C'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Après, on peut mettre un rouge à lèvres plus naturel, plus couleur peau aussi, qui peut être sympa. Donc voilà déjà avec le orange comment ça fait. Et je vais mettre un rouge à lèvres peau pour finir. Comme ça va vous permettre de voir un peu comment ça rend aussi avec un autre rouge à lèvres.
Et voilà aussi comment ça peut faire avec un rouge à lèvres plutôt nude. Donc c'est sympa aussi, voire même mieux parce que ça fait l'autre ça faisait quand même vachement coloré. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai mis. C'est celui-ci de chez Revlon, qui a vraiment une super belle couleur. Je l'adore celui-là. Donc comparé, voilà, comparé à l'autre, il est quand même vachement plus naturel. Bon, et bien écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc pour ce look-là, super sympa. Donc vous voyez, j'ai un t-shirt rose fluo. C'est mes copines qui me l'ont offert. Voilà, mes copines, Nathalie, Lucas, Laure et tout ça. Donc Céline, voilà, c'est mes copines de danse. Alors, super t-shirt qu'elles m'ont ramené des États-Unis. Il y a marqué I love pink, bien sûr. Et c'est un t-shirt qui vient de Victoria's Secret. Donc voilà, mon petit cadeau. En boucle d'oreille, je vous les ai déjà montrées. C'est mes petites têtes de mort, avec des petits strass au niveau des yeux, têtes de mort noires. Voilà. Et en vernis, donc vernis orange, et c'est celui-ci de chez Je m'aime Maybelline. Voilà. Écoutez les filles, eh bien, je vous fais plein de bisous. Je vous dis ciao ciao et à très vite.